Salut les chevelus et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui, je vous propose une revue sur des méga produits qu'il faut avoir chez soi au quotidien. Personnellement, c'est une marque dont je vais pas pouvoir me passer. Une marque que je connaissais pas vraiment de. Bah, en fait, je l'ai connue il y a quelques semaines. Donc là, je suis encore en phase de test, même si ça fait un petit moment que j'ai testé. Et avant ces quelques semaines, j'en ai jamais. Je me suis pas spécialement retournée sur la marque. Ça laisse pas d'indices ni rien du tout. Donc, ce qui fait que. Voilà. Donc, ça va parler effectivement de cheveux, du soin des cheveux. Et je vais vous parler de Denovo. Donc, je sais pas si ça se dit Denovo ou Denovo. Donc, pour celles qui connaissent, dites-moi. Alors, donc, comme je disais, je connaissais vraiment pas et je suis vraiment contente d'avoir connu parce que franchement, c'est génial. Maintenant, c'est des indispensables qu'il faut avoir, qu'il faut que j'ai chez moi parce que vraiment, je pourrais pas m'en passer et je déconne pas. Alors, ça se présente comment? Donc, il y a quelques semaines, pour la fête des mères, j'ai fait un concours en collaboration avec la marque qui proposait ce lot. Donc, trois produits et une petite surprise à l'intérieur. Dans un papier, donc un petit truc sympa, joliment emballé. Donc je vais vous présenter un petit peu les produits qui sont dedans et qui devraient vous plaire parce que c'est vraiment la panoplie pour les cheveux. Ça vous permet d'avoir un tout en un sans avoir dépensé 100 000 euros, 100 000 euros et d'avoir 100 000 produits chez vous. Voilà. Donc je pense que c'est sympa pour les novices qui souhaitent commencer dans le naturel parce que c'est vraiment l'indispensable en trois produits. Donc voilà. On va commencer par le premier qui est la crème lactée émulsion hydratante Sésame Essence, donc qui sont des produits principalement composés d'huile de sésame, d'huile de graines de sésame. Alors, que nous dit ce produit? Émulsion hautement hydratante, crème lactée est un soin hydratant et structurant des longueurs et des pointes desséchées et rêches. Utilisé en soin hydratant quotidien, il remédie au dessèchement dû à la perte en eau de la fibre capillaire. Sa texture crémeuse laisse un fini doux et des cheveux durablement hydratés. Donc, petite parenthèse, ces produits sont valables pour tous les types de cheveux, des plus fins aux plus épais, des plus gras aux plus secs, en passant par les cheveux crépus, anormaux. Ont vraiment aucun souci. Je recommande pour tous les types de cheveux, étant donné que tous les types de cheveux ont besoin d'hydratation et d'être nourris. Donc ça, c'est normal. Tout le monde boit, tout le monde mange, les cheveux aussi. Alors, pour en revenir à cette crème lactée de 100 ml, donc très sympa, on retrouve une émulsion et personnellement, je ne sais pas si, pour celles qui cosmètent un petit peu comme moi, si vous avez reconnu un petit peu le type de flacon. Donc moi personnellement, ça me fait penser aux flacons qu'on peut retrouver sur Aromazone pour faire ses propres recettes, ses propres crèmes. Et bah ça m'a fait sourire parce que ça m'a fait penser à ça. Ça me fait penser à des petits souvenirs, des petites crèmes que j'avais faites, que j'avais testées, mes toutes premières crèmes. Et voilà. Bah, personnellement, certaines vont trouver ce design trop simple, trop basique. Mais personnellement, moi, c'est un petit coup de cœur. C'est vraiment pour ça que j'ai aussi bien aimé le design. Voilà. Donc en plastique, 100 ml, 99% d'origine naturelle. Je pense que c'est vraiment pas mal par rapport à d'autres marques qui se vantent être à 92-93% naturel et en fait dedans il n'y a que de la merde. Tandis que là on retrouve vraiment une excellente qualité. Donc bon, vous allez me dire, il y a un petit peu le prix qui est là derrière quand même. Vous pourrez aller voir sur le site que je vous mettrai en barre d'infos. Donc il y a les prix qui vont avec, mais sachant que vous n'avez pas en besoin d'en mettre des tonnes pour que ça fasse effet. Je vous saoule peut-être toujours à dire ça, mais c'est vrai que c'est pas en mettant 50 pressions que forcément ça va faire plus effet sur les cheveux. Franchement, donc c'est un flacon airless, donc voilà, qui se présente comme ça, donc qui ne peut pas avoir de bactéries dedans. Donc déjà c'est très très bien. Donc une pression suffit amplement, donc rien que moi pour mes longueurs et pointes, ça fait quand même une belle longueur, je veux dire, bah, une pression ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de mettre des tonnes de produits. Donc ça c'est spécialement pour hydrater ses cheveux, sachant que les cheveux ont besoin d'hydratation au quotidien. Donc je dis bien au quotidien, tous les jours. Donc moi j'en mets tous les jours, que ce soit sur cheveux humides ou sur cheveux secs. Donc j'en mets tous les matins sur mes cheveux pour les structurer. Pour bien les mettre, qu'ils soient bien droits, tout ça, etc. Ça, en plus de ça, l'odeur est juste géniale. Je sais pas comment la situer, mais c'est vraiment une odeur qui n'est pas dérangeante. Ça sent pas les plantes, ça sent pas le fruit, c'est quelque chose de. Je sais pas. Voilà, c'est une odeur qui est un peu.
Bah, un peu spéciale entre guillemets parce que personnellement je la reconnais pas, mais c'est une odeur que j'adore. Voilà. Un petit peu, je sais pas, vanillé, amande. J'arrive pas vraiment à reconnaître, mais c'est vraiment quelque chose d'agréable qui devrait plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, j'en mets au quotidien. Que ce soit sur cheveux humides, sur cheveux secs, personnellement, ça change pas grand-chose parce que le produit est efficace. Si bien je le vois sur le toucher, rien que sur le toucher de mes cheveux, c'est vraiment chouette. Ensuite, passons au côté nourrissant. Donc on est passé du côté hydratant au côté nourrissant. Donc nous avons le séra fondant, baume nourrissant pour cheveux abîmés, cassants, nourris et adoucis. Baume hautement nourrissant est un soin nourrissant et adoucissant des cheveux abîmés et cassants. Utilisé en soin nourrissant avant le shampoing ou en coiffage quotidien, il remédie à la casse due à l'altération de la fibre capillaire. Sa texture fondante laisse un fini velouté et des cheveux visiblement fortifiés. Donc fortifié, moi ça m'intéresse bien parce que j'ai les cheveux un petit peu qui s'affinent assez rapidement. Donc c'est vraiment un produit qui est très sympa de ce côté-là. Donc quand je sens que mes cheveux, que ça suffit plus avec le côté hydratant, bah, je passe au côté nourrissant, qui est pas mal du tout également. Donc comme vous voyez, c'est un petit pot qui est de 50 grammes, qui n'est pas rempli à fond. Donc protégé à l'aide d'une opercule. Et vous retrouvez une texture baume fondant. Donc comme vous voyez, j'en ai fait à peu près 4-5 utilisations. Il y en a encore beaucoup, énormément. Donc il n'y a pas besoin de creuser avec son doigt pour aller chercher. Vous avez juste passer votre doigt comme ça et vous prélèverez assez de texture. Sinon, justement, ça risque de trop graisser vos cheveux et vous allez devoir les laver. Surtout si vous en mettez le jour, je veux dire, genre après. Genre bah, avant de vous préparer pour aller bosser ou quelque chose comme ça, faut pas en mettre des tonnes. Franchement, vous passez juste votre doigt comme ça met largement assez, quoi. Je veux dire, même moi pour mes longueurs et pointes, j'en ai largement assez. Toujours cette même odeur qui est exquise, évidemment. Donc, comme vous pouvez le constater, vous pouvez l'utiliser donc en soins quotidiens également, sur cheveux secs, sur cheveux humides ou en tant que masque avant shampoing. Donc, vous en mettez un petit peu sur les longueurs et pointes, vous laissez poser quelques heures à une nuit si possible et vous passez au shampoing habituel et vous allez voir, ça fait toute la différence. Et enfin pour terminer, une petite chose que vous ne connaissez pas mais qui est effectivement aussi un indispensable parce que ça change votre vie, entre guillemets. Alors nous avons l'oléosilk complexe relipidant pour cheveux dévitalisés, ternes, revitalise, illumine les cheveux. Alors, soin revitalisant et éliminateur des cheveux dévitalisés et ternes, utilisé en soin relipidant avant le shampoing ou en finition de coiffure, il remédie à la dévitalisation et au manque de brillance dû à un défaut de sébum. Sa texture soyeuse laisse un fini satiné et des cheveux instantanément éclatants. Ce qui est bien, c'est que vous avez toutes les explications derrière, vous savez à quoi ça sert. Donc ça, c'est principalement pour les cheveux de nature sèche à très sèche, voire de nature grasse aux racines et sèche aux pointes. Donc effectivement, il y a le sébum qui joue son rôle de protecteur, mais qui effectivement ne va pas jusqu'aux longueurs, voire les pointes, ce qui fait qu'en général ça s'arrête là ou là grand max, et le reste, eh ben, il n'y a pas de sébum, rien pour protéger votre fibre capillaire, ce qui fait que ça laisse les cheveux s'abîmer un peu plus rapidement. Donc ce qui fait qu'en fait il joue le rôle de sébum sans forcément graisser, que vous n'ayez pas une tête de friture tout simplement, que vous ayez pas l'air d'une frite sur pâte, quoi. Non, c'est voilà. Donc ça se présente aussi sous forme de spray. Donc là c'est plus un spray. Une pression suffit largement pour les longueurs et les pointes, surtout en ce qui me concerne. J'ai essayé deux la première fois, je suis oulo. Un petit peu gras quand même. Un petit peu gras, mais au bout d'une nuit, c'était quand même bien absorbé. Mais un pchit, ça suffit largement. Ne mettez pas plus, surtout si vous voulez pas ressembler à une frite. Voilà. Donc comme je disais, vraiment indispensable et génial. Surtout, ben, moi, c'est à partir du troisième jour. Du troisième jour, mes longueurs et pointes commencent à être un petit peu plus ternes. Un peu plus ternes, moins brillants. Et dès que j'en mets, ben, hop, c'est reparti, quoi. Je suis repartie pour 3 jours et c'est vraiment génial. Donc vraiment, fallait vraiment que je vous en parle de cette marque parce que c'est une marque qui selon moi n'était pas spécialement connue avant que j'en entende parler. Donc c'est vraiment une grande découverte pour moi et c'est pour ça qu'il fallait que je vous en parle. Donc avec ces produits, vous avez un petit emballage comme ça. Ça ressemble à quoi là?
Un petit cœur. Alors, un petit cœur emballé comme ça dans du papier. Donc, c'était une édition spéciale Fête des Mères. Hein, donc, vous ne l'aurez peut-être pas. Donc, quand j'ouvre le papier, donc vous découvrez un petit cœur blanc tout sympa. Donc, qui est parfumé de la même odeur des produits que vous pouvez mettre donc en dessous de votre oreiller, dans votre sac à main, dans votre garde-robe ou quelque chose comme ça pour parfumer vos vêtements ou vos affaires personnelles. Et ça sent extrêmement bon. Personnellement, ça parfume un peu la chambre, donc c'est très sympa. Donc voilà, vraiment très chouette. Marque très sympathique qui propose des produits géniaux à 99% naturel. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux, je pense pas. Et ouais, voilà, vraiment super sympa. Ça fait plusieurs semaines et au début, je pensais pas en faire une revue en vidéo. Et je me suis dit, ouais, pourquoi je leur en parlerai pas? C'est vrai que derrière ça, il y a quand même de bons produits. Donc vraiment, vous avez la qualité, vraiment géniale. Donc par contre, donc je remballe. Donc la marque a souhaité donc m'envoyer le produit pour le test. Mais il s'avère que la marque s'est plantée et m'a envoyé deux colis. Ce qui fait que je me retrouve avec une collection de produits. Bah là en fait je vais être tranquille au moins un an. Je vais être tranquille au moins un an parce que j'ai exactement les mêmes produits dedans. Donc voilà, vraiment très sympa. Donc je vous dis, c'est à tester une fois si vous pouvez. Ils vendent au détail. Ils vendent au détail. L'édition Fête des Mères, c'était un lot spécialement. Je crois que c'était à 35 euros si je ne me plante pas. 31 ou 35 euros. Mais c'est vrai que tout seul, c'est un petit peu plus cher. Donc à la limite, attendez un événement. Je ne sais pas si par exemple pour Noël ou quelque chose comme ça, s'ils refont des petits coffrets cadeaux comme ça, parce que c'est vraiment très sympa. Vous avez l'originalité et en plus de ça vous avez la baisse du tarif, ce qui fait que ce n'est pas négligeable. Donc pour celles qui connaissent la marque, qui ont déjà testé, qui ont pu faire autrefois une revue ou quelque chose comme ça, bah n'hésitez pas à donner votre avis. Et pour celles donc à qui ne connaissaient pas et à qui j'en ai parlé, aimeriez-vous tester cette marque? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous branche et pourquoi ça vous tente pas tout simplement? Est-ce que vous préféreriez faire vous-même vos produits au lieu d'avoir ce genre de produit, ou préférez avoir des produits tout faits à 99% d'origine naturelle? Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les chevelus!